Mission TV, le miroir du monde. Eyé, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasoro. Chez Tremplin Royal, Kanoka Kae. Bonjour chez vous, fidèles de AM TV, bienvenue dans Ma Réflexion. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. On vous dit merci chaque jour. Pourquoi ? Parce que vous gardez toujours votre fidélité à Ma Mission TV et la grande confiance au Bossala Rabisso et Salara Ketozo. On a même courage, même confiance, paix. Nangambo Nabisso pour Ketozo Lola. Ensemble, Nabino, le chef de l'État a clôturé donc hier les consultations présidentielles et vous avez constaté comme ça la présence de M. Kinke Mulumba qui était pour le compte de Grand Bandundu et en dehors de du Grand Bandundu, on a constaté aussi la grande présence de membre de l'UDPS, Otomonaki, na Zelendeko, Jean-Marc Aboud, Oazwa qui parole, et Narolinga, Penabandeko Nyonso, Mazali Kolanda Bisso, ensemble, dans l'ensemble, Boko Zouatango Mosusu, interview Anna, Nangambo Nabino, Pe Boko Pesa Bisso, point de vue Nabino, parce que déjà, Bato Bazali Kolobelango, autrement Balobi, mot de la fin, topé déclaration à M. Jean-Marc Kabound, et Peli Sili Susu Moto de l'autre côté, Yabandeko ya FCC. Lobby avant Toko Manapo kwa Baloba ki ba déclaration ya M. Peter Kazadi et salité Bandeko ya FCC ou Bazwa ki invitation, ba se manifeste te na invitation à un lobby parce que Boyebi, le président de la République, a bakisa ki jour moko spécialement pour l'encota la Bandeko ya FCC, Ndenge Baloba ki ke Bakoya et Nangambo na bango lobby, ba manifesta ki présence na bango te. Comme information, Tozan Nango, Bandeko ya FCC, le FCC s'est dit non concerné par les consultations, dit Steve Mbikai, à l'issue d'une réunion. Conférence des présidents, la plateforme de Joseph Kabila reste disposée à dialoguer avec le chef de l'État dans le cadre de l'accord qui lie les deux parties dans le respect de l'accord. Voilà. Nanga monabango botali sake barokutana na chef de l'État na cadre mosusu et non il y a ba consultation. Ils ne sont pas concernés na ma consultation selon Bandeko ya FCC. Alors biso na ngambo na biso ma mission TV tous ali ko continuer toujours ndenge to lobara tous ali li son abino ici qu'information ezali li to inabino makolo na bino ko kita en temps réel pour na remémé la bino ba information pour les cider Martin Fayulu qui affirme participer seulement à un dialogue sous médiation neutre. Ces consultations étaient inconstruites politico-stratégique raté selon les idées de Martin Fayulu.
moto à lobby yango ezali ndeko Martin Fayulu te mais mo lobelo ezali secrétaire général ya SID ndeko Devos Kitoko ya SID ezali secrétaire général. Nous continuons avec les informations. Le ministre de Budget, Jean Baudouin Maillot, informe de l'épuisement des crédits budgétaires pour les missions de service de membres du gouvernement. Cette information a été vraiment divulguée depuis hier. On a eu cette information et la presse n'y a pas de lobby, Baréléa Kiango, pour Keto, Lobate Ketoza, Batou Ali Bossom. Déploiement CGD de la police renforcer les contrôles du port de masque. Constat fait après relâchement par la population de respect de gestes barrières et de la recrudescence du coronavirus. Alors, fidèles téléspectateurs de AMTV, on vous a eu même à diffuser les images concernant le mot du général Silvano Kasongo ou à Talisa qui était motonianso ou à corospectete. Talabaké n'a vu ce tina katia motuka. Pas plus tard que quelques jours, je vous avais annoncé sur ce plateau. Balobi na biso na ndeko tuna est-ce que barolande la biso ndenge to mona dernièrement moto soki ozana motuka ata ozali yo moko lata masque général Silvano Kasongo alobi yango na message na ye à s'adresser na bakinois pour na rolobake ata ozali yo moko na kata motuka ozali obligé ya kolata masque. Je vais vous laisser quelques minutes pour rolanda ye, mais je pense que les informations est silly. Voilà. Ah, des avions de chasse congolais vont survoler l'espace aérien. Une opération dissuasive visant les poches d'insécurité, notamment dans la partie de l'est du pays. Ça, c'est une dernière information. Il y a journée d'Abisso à Lélo. Alors, sur ce plateau, je ne serai pas seule, je serai avec un invité, mais je m'aimerais demander d'abord à Derrick Loukeba de nous aider avec les images, la déclaration de M. Jean-Marc Kabound, et nous allons revenir pour la suite. À tout de suite. Le message. Le premier consiste à lui dire que le peuple, dont nous sommes un échantillon significatif, croit en lui. Le peuple voit en lui une lueur d'espoir. Le peuple a constaté que le président Félix Tshisekedi a la volonté politique, chose qui a manqué aux dirigeants politiques de ces pays depuis son accession à l'indépendance. Et cette volonté politique se matérialise par des actes concrets, notamment la gratuité de l'enseignement, la volonté d'instaurer un état de droit qui aujourd'hui se matérialise par une justice indépendante. La dernière ordonnance du Conseil d'État en est une illustration. Nous lui avons aussi dit que le peuple qui a été bercé par la vision de l'UDPS attend plus que ce qui est déjà fait, notamment sur le plan économique et tant d'autres. Ce peuple-là qui croit en lui pense que le peuple d'abord, qui est la cristallisation de notre vision politique, est une réalité et le chef de l'État doit tout mettre en œuvre pour que cela soit une réalité. Donc, cela doit passer par une reconfiguration de la classe politique parce que le véritable problème dans notre pays, ce n'est pas le Congo, mais c'est l'homme politique congolais. Vous savez, le monde retiendra, l'humanité tout entière retiendra, voudrais-je dire, que Félix Tshisekedi, comme président de la République, avec sa machine politique, l'UDPS, sont en train de réussir un coup. Un coup que personne ne pouvait s'y attendre. C'est celui de déboulonner un système installé dans ces pays depuis 1960. Vous allez me poser la question, c'est quel système? C'est un système basé sur la prédation, un système méchant, un système qui ne considérait pas les Congolais et les Congos.
même la colonisation n'a pas fait ce que ces systèmes, tout en étant libres, mais le peuple congolais était asservi. Ils étaient des esclaves sur leur propre sol. Et Félix Tshisekedi, comme chef de l'État, veut déboulonner ce système. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez par la réconciliation politique ? Nous lui avons dit de manière claire, à haute et intelligible voix, que l'Union pour la démocratie et le progrès social voudrait qu'il tourne la page de la coalition FCC Cash. Et donc la réconfiguration dont vous parlez, justement, c'est aussi à compter avec le fait que le FCC aujourd'hui est majoritaire au Parlement. Quel mécanisme mettre en place justement pour en arriver ? Vous le saurez, monsieur le journaliste. Ce qui est vrai, que nous lui avons aussi dit que depuis que ces consultations ont commencé, nous avons senti la volonté des Congolais de s'unir autour de lui dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation, afin de faire décoller ce pays. L'UDPS est prête pour la cohabitation? Il n'y aura ni cohabitation, ni coalition dans ce pays. Il faut tourner la page. Sur quelle note se terminent ces concertations ou ces consultations à votre avis? Nous sommes plus qu'heureux. Le succès qu'a remporté ces consultations nous laisse sans mots. Parce que, vous savez, faire adhérer l'opposition dans une démarche, ce n'est pas chose facile. Mais vous avez vu qu'à travers ces consultations, le peuple congolais, réuni comme un seul homme, a dit à Félix Tshisekedi que nous sommes derrière vous. Et en tout état de cause, ce n'est pas un problème d'individu. Devons nous mettre en tête que c'est le Congo qui a gagné. Et les Congolais de tous les horizons veulent voir leur pays se développer. Ce n'est pas normal que notre pays soit à la traîne. Voyez les 9 pays qui nous entourent et faites la comparaison. Dans un passé récent, vous avez eu des bons mots pour votre allié, le FCC. Qu'est-ce qui justifie ces boosts changements? Au tempore, au morenso. Ouais, autre temps, autre mœurs. Qu'est-ce que vous attendez de ces consultations en tant que UDPS? Écoutez, vous savez, la politique de la chaise vide, oui, c'est une bonne politique. Hein. Mais je leur donne un petit conseil d'amis. Ils doivent avoir de l'énergie pour faire face. Nous l'avons fait, nous connaissons. Ils doivent avoir des nerfs solides, beaucoup d'énergie. Bonne chance à eux. Merci. Alors, vous avez suivi le message ou la déclaration de M. Jean-Marc Kabound au Atalissi, Namanekwa FCC, Nangambona Bango. Politique, il y a chaise vide, il faut base là vraiment, on a plus d'énergie pour que ba meka bongo ko sala yango parce que bango basali yango pendant 37 ans ba zwa penza solution moko ya malamu te. Alors lelo bazan na pouvoir ba ko observer bande ko ya FCC na kati ya opposition au basali komikoti. C'est ça, la déclaration à M. Jean-Marc Kabound. Je vous avais annoncé tout à l'heure que sur ce plateau na rozalanga moko na Rosala na moko ya bino Ndeko Kaninda à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Mamadi. Ndeko Kaninda, vous avez suivi les déclarations ou par consultation Ndenge Bandaki na Ndenge Sileli na ngambo na yo ni yo retenir. D'abord na kopesa longoni na tata mokonzi pambate depuis mboka na biso ezala Congo. Comment na mokonza bengi batu na consultation, donc ya bengi batu ba ya ba pesa. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le pays? Et chose grave, le chef de l'État a réussi toute catégorie à battre. Ma couche mieux sur la société, même les gens qui ont négligé la société. Mais le chef de l'État a mis non, pas toi, on s'en va négliger parce que les lois politiques, il y a un docteur, il y a un professeur, il y a un maïe, 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 il y a un université. Le chef de l'État a eu qui n'a battu Oyo. Qui bise la société de négligence quand on vient à Kabachégué, le chef de l'État, tout il y a, la population, la bouche, nous sommes tendance confondue. Il y a qui,
Comme le chef de l'État, dans le discours à 6 minutes, nous a promis, il reviendra encore à la nation dans son adresse. Mais à l'avance déjà, la population déjà, Bazo Senna déjà que Tata Mokonzi. Libala wana ya FCC cash et koufa. Yango na lobby, tokaki na Nicolas Suka, Tata Mokonzi ya autobengi ya parti ya IDPS ya AU, qui clairait direct vis-à-vis ya bandeko ya FCC parce qu'il doit se préparer pour aller à l'opposition. Pambate. Mokili on dengenza mbe asalamo, rien ne peut rester fort éternellement. Le PPRD, le FCC, bakanisa kiete, bako continuer na bajena bango ndenge ba mela. Un instant, les gens réclament, le son. S'il vous plaît, le son c'est bon maintenant. Jean Moutala, Lucia Kankou, le son c'est bon maintenant. Derrick, le son c'est bon. Où on va faire une petite transition jusqu'à ce qu'on arrange les sons et nous allons revenir dans quelques minutes. Les sons, c'est bon maintenant? Alors, transition pub. Hey, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal. Le confort est le nôtre sous Kanamasolo. Le complexe hôtelier Tremplin Royal. Le confort est le nôtre sous Kanamasolo. 55 22 96. Et Salemananouté. Le complexe hôtelier Tremplin Royal. Le confort est le nôtre sous Kanamasolo. Chez Tremplin. Fidélité na bino na confiance au bosala rabiso et merci pour na petite remarque il y a 100 dingi bosala biso beau comprendre que jusque là ma michel au travail na ba moyen de bord na noto jupenza ba possibilité il y a makasi penza te pour na kosomba peut-être ba matériel oyo ekoki kosala ra question qui tozali kosala totika la penza kaka professionnel et tous ont remarqué tant on se soumigne mingité alors toutes nos excuses na part il y a ma mission tivindeko kanina osaki koloba oui na zaki koloba été consultation mon konzambo ko bengaki batubo ayoka mbate mboke tambulaka na bato te ke baye wana po ba travailler pour un individu mboke tambulaka selon mibeko et non sur base d'un accord. Donc, le chef de l'État, à chaque fois, a bloqué, on a mboka et qu'il y a des libos. Il y a un groupe de gens qui ont bloqué toujours bon fonctionnement et mboka. Mon conseil mboka qu'on nomme boye, bamoba le recevoir le grand Bandundu. Le dernier jour, nous faisons partie du dernier groupe ou de l'un des derniers groupes. Quand tout passera, on retiendra ce jour-ci. Le grand Bandundu. C'est ce qu'on appelle en langage électoral un swing state. On ne fait pas un président de la République sans le grand Bandundu.
Et le Grand Bandundu, c'est l'une de deux portes d'entrée de la capitale congolaise, Kinshasa. Et le Grand Bandundu a été la province qui a donné la première rébellion à ce pays, mais en même temps qui a érigé la digue qui a fait que Kinshasa a été sauvé. Le Grand Bandundu a vu ses frères défiler à la tête de cette province Kinshasa. Donc c'est une province importante. Quelqu'un m'a soufflé que nous étions aussi, le Grand Bandundu, le quartier latin. Voilà, nous avions un message clair à apporter au chef de l'État. Nous sommes tous debout derrière lui, dans son projet d'union sacrée de la nation. Et il y a eu des élections présidentielles qui ont été parfaites, législatives qui n'ont pas marché. Vous savez, lorsque l'aventure démocratique a commencé dans ce pays, le Grand Bandundu a été la province qui a donné le moins de députés. Et l'une des provinces, le Kwilu, n'avait donné qu'un député. Et aujourd'hui, l'ex-majorité présidentielle a tout raflé. A raflé la mise. C'est à croire que le Grand Bandundu s'est transformé en Dubaï, qu'il y a des routes macadamisées partout, qu'il y a des écoles partout, il y a des hôpitaux partout pour que, en quelques années, la sociologie du Grand Bandundu ait changé. Après n'avoir donné qu'un député, aujourd'hui, eh bien, l'ex-majorité présidentielle a tout raflé. Vous avez compris qu'il y a un problème en ce qui concerne les législatives. Voilà ce que je peux vous dire. Nous sommes derrière le président de la République, le Grand Bandundu, avec des notables et des jeunes, comme vous le voyez là, derrière moi. Le Grand Bandundu est derrière le chef de l'État. Voilà le message qu'on a voulu lui passer. Pour le reste, c'est lui qui décidera, qui va faire la synthèse des mémos qu'il a reçus. Et il va faire un condensé avec ses équipes et il va revenir devant le peuple congolais pour lui livrer ses conclusions. Quels sont les arguments que vous avez utilisés pour convaincre les gouvernements? Il n'y a pas d'argument en politique. C'est une vision qu'on présente en politique. La vision fait partie des convictions. Il n'y a pas d'argument. Nous ne sommes pas mathématiques. Nous avons des convictions qui sont celles du Grand Bandundu. Voilà. Merci. Je vous en prie. Et voilà. Encore une fois de plus, merci beaucoup pour votre patience. Ndeko Kanyinda. Comprenez que la technique a ses caprices. J'étais en train de dire que consultation, Mokonzamboka, Bengaki, Batou, Pambate, Mboka, Zaïko, Tiendemabe. Il y a un groupe de gens, oba linga qui te que mboka est avancé. Bazala qui en a tout moment, koluka, kotsa pour s'habiter, mais pas mokonza mboka échoué. Or, bazobo sana été, les pays, ils agiraient au quotidien par les gouvernements qui conduit la politique de la nation selon la vision du chef de l'État. Et puis, politique à nation, ils allaient dans un programme, oba yako représenté devant le Parlement. Oyo ilukamba, majoritairement populaire, na gouvernement, il y a PPRD, bazo kanisake, soki le programme gouvernement échoué, c'est le chef de l'État qui veut échouer. Oui, bien sûr, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais ils ont aussi leur part de responsabilité. Voilà pourquoi le chef de l'État, après le discours, il y a 6 minutes, avec beaucoup de détermination, où on a senti en lui l'esprit de son père, et côté là qui est benanda zolo, le peuple congolais, trop c'est trop, ma prérogative, oyo constitution pessinga, et ça l'icolo, il y a ma accord, rien ne peut dépenser ses prérogatives, parce que la population attend beaucoup de lui. Voilà pourquoi, à Benaki Batou, à Yokabango. Abengi bato yo kabango bato ba pesa makanisi na bango abengi bato nyonso de tendance confondi couche nyonso ya société bato nyonso ya population ba ya bayo kabango pi et lokonga na sepeli nango a négliger ki mutu te ba chauffeur ba receveur ba taximen ba chayer bango tout bazala ki intéressé et le chef a tsaki lito une ayo ki bango ezala ki consultation. Alors, Ndeko Kanyinda, nakati ya bayiba consultation et si mokolo ya lobby, consultation sans Kabila, sans Fayulu, tokoki koloba te ezali crédible.
Maman, Kobanana Nandeko Kabila, Ndeko Félix, depuis qu'il y a un pouvoir 2 ans, combien de fois Bakoutanina, les sénateurs a vu le président honoraire? Mais à chaque fois Bazokoutana, croyant que Bandeko Baroyana Poba Solola pour la bonne marche du pays. Maintenant, à raison à la famille politique naïe, au cours qu'on a l'Assemblée nationale, va traiter chef de l'État inconscient. Au cours que le chef de l'État a nommé ba mandataire pour Banda Moussala, le ministre FCC il bloque. Au cours que le chef de l'État a instruit au ministre des Finances, ba pesa ba champion, il y a Léopard, ba champion d'Afrique, il y a basket, ba mbongo na buna ba jeep na bango, mais le ministre a zo bloqué. Mais babi, trop c'est trop. Moi je pense que, avec ou sans Kabila, le Congo va continuer, le Congo va évoluer, donc rien ne peut nous empêcher d'évoluer sans Kabila, la présence du président honoraire Joseph Kabila, le sénateur à vie. Hier même, on a lancé l'invitation pour la bande de FCC. Mais, je préférais pas qu'il y ait Kati. Après, il faut rendre compte, il y a réunion dans la conférence de président, que baboyi consultation, balingi dialogue, selon l'esprit, il y a accord d'abord, mais accord au balobaka, FCC cache existe à côté. Le seul accord où ils existaient, où ils yébani, ils ont accord, ils ont prévu la constitution, ils ont une coalition, l'article 148, ça va dire que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Et cette majorité n'est pas connue, n'est pas identifiée. Voilà pourquoi, dans le moment où tout ça, la nomination d'un informateur s'impose. Pour identifier la vraie majorité. À qui la faute, ceux qui les majorité wana et banaki. On ne peut pas incomber la faute à qui que ce soit, mais le chef de l'État a l'accès qui bonne volonté. Il y a que tambo samboka elongo. Habité nganazwa qui majorité présidentielle. Peuple congolais voté ngebele. Malgré majorité mécanique ya bango fabriqué composé mon konzamboka habité totika toya to sangana. Okolobani ni na bato batali cité. Ndeko Peter Kazadi, Azali Moko ya bato, on a communication na e a salité refus et zananakati ya FCC pour na ko répondre na invitation à chef de l'État Mokolo à lobby. Oui, ils ont na ba propos na e kota il s'était ba senga ki invitation et non bango ne bato ba kenda ki faire bango pour na ko pesa bango. Na minute oyo, le FCC est en voie de disparition. Seul ba voyant bato baza sage, bazo ba ko lire ba signe du temps. Les FCC, c'est eux-mêmes qui ont demandé l'invitation auprès du service, il y a présidence, il y a organisation, il y a 6 ans de consultation. Est-ce que ça va accorder Bango Baya. Parce que d'autres personnes, avant qu'on ait une invitation, il faut d'abord présenter un mot pour Boya. Ce qui m'a pêché, c'est inadmissible, c'est anormal. Donc, il y a un mot à la bande de FCC, il y a qui volontairement. Mon compte d'abord, il a toujours un grand cœur. Il y a un mot à habiter. Tellement, il y a un mot à toyoka Bango. C'était prévu par un babango lobby na 11h. Mais, à la dernière minute, Bakéi na bango na Kingakati conférence de président. 15h, oui. Bakéi. Information, Bakéi na GB. Bissot, tu es lui, Batola, Bassanga na Kuna Kingakati. GB ou pas, tu es lui, Bango Bata Kingakati. Donc, Bakéi, Bakoutani, na conférence de président, Oya Bango, va rendre compte, Babi, que non, ils ne sont pas disponibles pour na consultation. Bango Balingi dialogue. Mais Nabito va dialoguer autour de quoi? En politique, le dialogue est permanent, c'est même une vertu. Tant que nous avons un dialogue, sur quelle base, sur base de quoi? Parce que les pays, et qu'on a d'autant volaté de dialogue à dialogue. Non, le chef de l'État béni consultation, Ayoka, habité Congolais, nous sommes à Zana, Oyaya Rotsa. Le but, on a qui même les parlementaires debout, Pasteur Guili, Cholet, concert, donc, il dépasse au grand complet, Bazaki. Représenter lobby, ba yambaki bango ba pesa ki peut ya bango makanisi. FCC ba comprendre le Congo que les Congo eza ya bango te ba lukaka ba bloquer mboka ba lukaka mboka ya avancer te mboka pour avancer on a besoin de tout le monde. Même tant que FCC wana, il y a des gens qui étaient choqué, ils sont prêts aujourd'hui pour travailler pour les peuples, pour travailler pour les Congo. Mais il y a aussi de ceux-là qui continuent à être dans une distraction énorme, bah travailler qu'à pour un intérêt individuel. Nous sommes même, tout comme même comme on a les professeurs d'université, ok, bah toi le coup, un grand professionnel, professionnel dans la matière, à nouvelle abuso bah bloque bah prime au ministériel. Donc au moins que mutuana bah on s'est contredit dans ma magamba tant que ça a été dit. Donc c'est un bah professeur bah privilégier science et alors bah intérêt politique. Question d'anga Isaki Kota là.
Ndeko Peter Kazadi, na réaction na ya lobby, batalicité, a Joaki Penza, un homme d'état, à un homme d'état, kota la ba propos na ye, jusqu'à appeler une personne en direct, moto basaki na communication na bandeko FCC, a bengi en direct, a tché na radio Top Congo, pote mokili mobimbe yo ka ndenge nini, bango batu bazali kosenga invitation. Comment bokoki kozala kati ya coalition mais bozali na bomokote hypocrisie esili a bokum kobimisa makambo penza polele. Ce qui est sur coalition FCC cache tikala de façade existant le sous-souté. Et tika liga bandu moya ba ya ba opportuniste ya ba hypocrite s'il faut le dire. Parce que depuis ba changer équipe ya ba représentant ba se réunir combien de fois pour ba évaluer marche ya Il y a coalition. Combien de fois si tu écoutes Tommy Koto, tu t'es Yezu, Nicolas Kazadi, Tete Kabwe, qui t'es Yezu, côté Kuna Minaku, équipe à la Bassanja qui Kaya, Remo Chibanda. Combien de fois tu m'as dit Batouana, 8, Bakuta, Nisikamo, pour même l'intérêt à part, il y a coalition. Zéro fois. Donc, c'est pour vous dire que Peter Kazadi, ba mesani na Batou, ba mesani kolo babo solo. Quand on a un homme d'État, c'est là pour être un homme d'État, il faut mentir l'opinion. Mais est-ce que c'était important de dévoiler que Bango Batoubaya qui vient Moi, je trouve que. Topé chef de l'État pendant qu'on signe l'invitation. Pendant que vous avez dit que Luka, solution, il y a une crise. Mais ce qui Bango signe l'invitation, mais pourquoi Bango Banga que Peter Kazad a annoncé officiellement le monde entier que les FCC a demandé l'invitation. Parce que les FCC, si Bayaki, nous avons réussi, nous avons vu. Qui maître Jean-Pierre Liao, il a été reçu en tant que l'un des fils de fondateur de l'IDPS. Nous avons vu les plus Mouabilou, nous avons vu, ils sont nombreux, aussi déjà Bayaki. Mais les FCC officiellement, traité qui batouana comme Boumaki Nanzela. Mais na pas un officiellement Baya. Mon Zamboka a accordé qui Bango, audience Baya Ayoka Bango. Mais à la dernière minute, c'est prononcé Baboikoya. Mais le Congo va continuer de vivre, le Congo va continuer Yakotambola. Donc, moi je pense que Peter Kazadi, il a éclairé l'opinion sur cette question. Pondeke aim sa ba Congo que comment bandekwana baza na bonne foi té parce que ba tona baza yokutana ba na réunion bolobelo ko mususu ba kena media bolobimo ko mususu. Donc cela est pour être un homme d'état, il faut être un menteur, il faut la démagogie. Non, un homme d'état c'est celui qui est d'abord intègre l'intégrité au niveau de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il dit. Dans sa bouche, il doit que dire la vérité. Parce que population, azo souffre, maman Bibi. Population, azo zela, na discours, ya mokonzambo kwa kosa, la pona, ya à rendre compte, ya consultation, azo zela, résultat. Résultat, et que provoquer fête, tozo kenera festivité à fin de l'année, tozo linga peuple congolais, a fêté nesengo, selon adresse, ya tata mokonzi, na. Mboka Congo on est peuple congolais azo zela peuple congolais azo zela te ba discours ba politicien kotolo biboye te le peuple azo souffrir couramment yezate bana bazo ken de classe te ba fonctionnaires ne sont pas impayés les maintiens leur prime de risque est foutamité ba policiers ba soldats est foutamité donc ba foutamité peuple congolais azo zela mingi na tata mokonzi na kotala ba yi consultation ndenge eleki na komona yango ndenge eleki solution pona peuple congolais na kati ya yi ba consultation ezali nini. D'abord peuple congolais partout au temps bolona ba wenze na banzela ya pas longtemps bande ka IDPS va prendre Jacques marche pona ko soutenir coalition consultation ba lobby été ba boyi libala ya FCC na cash. C'est ça c'est que la population attend. C'est ça, c'est que la population attend du chef de l'État qui a le bas. À partir d'aujourd'hui, la coalition FCC Kachabouo, il y a l'Union sacrée de la nation, Oro Sangisaba, vrai Congolais, Obakouya, Kolobela, pour l'intérêt et Mboka Congo. C'est ce que la population attend. L'UDPS plaide pour la reconfiguration. Nanga Monayo, Koki, Ko expliquer Bichonano et Ko s'est passé Nenge Nene. Bande quoi, UDPS? Parce que je suis un respect pour la partie et puis je suis un animateur, un cadre. Parce que je suis trop parmi eux, il y a des ceux qui sont ma famille, ma perdre. C'est le bas au pédé pour la configuration. Il y a classe politique. Mais ça combat, nous sommes au Bunda. Bah, on va bien la configuration. Nous sommes au Bunda, nous combat renouvellement de la classe politique.
ba renouveler classe politique. Tomona Tomona ba konzi ya sika. Mama majorité parlementaire ya sika ils a déjà ça na ba député OK ba lemi ko sale l'individu ba ko sale la le peuple. Na conseil d'état ba rendre décision na bango ba bikina la requête ça peut là ba jugement irrécevable. Mais à niveau parlement la requête continue, je te donne une révélation que ma bunda va tomber bientôt. Ça, c'est une révélation. Beaucoup de gens sont passés ici pour me donner cette information. Mabunda va bientôt tomber. Même si le Conseil d'État est surveillé, on s'incline face à la décision de la justice. C'est ça même l'état de droit. De respect, il y a des ordonnances, il y a des arrêts, il y a des jugements, il y a des cours et tribunaux, OEP, SACA. Là, on ne peut pas commenter là-dessus. Mais une nouvelle coalition ou une nouvelle majorité parlementaire, c'est une obligation au peuple congolais à Zozela. Enfin, le premier ministre Abima n'a respect à texte. Le premier ministre militaire parti politique T, va signer décret, il faut avoir ordre et hiérarchie politique. Non, lorsqu'on est aux affaires dans le gouvernement, on cesse d'être membre d'un parti politique. Alors, on a posé hier, les journalistes ont posé la question à M. Jean-Marc Abound pour savoir, après les consultations, à venir ni Ezali pour la coalition, à l'obi aura ni coalition. Ni cohabitation. Selon yo, pourquoi qu'on explique biso yango nengi. Tant ou mokondi Kabunda bi yora ni coalition ni cohabitation. Na banza kembo kapo tambula. Parce que tant abo une cohabitation c'est tout à fait non parce qu'il y a aucun parti politique ou regroupement politique à la majorité absolue. Parce que FCC zara na ba député te. Député FCC zati. Boye tsanga député ni naza eli na liste ya FDC ya FCC. Ah, FCC, ils n'ont même pas la personnalité juridique. Ils existent à côté sur le plan des droits. Il y a un attendu, cohabitation. Quand vous parlez de la cohabitation, c'est-à-dire qu'il y a déjà une majorité qui est bien connue. 251 députés. Ou déjà, bah, ça, par exemple, il y a AFDC, il y a PPRD, il y a IDP, il y a UNC, il y a Allié. Tu as déjà que bah, la bah, majorité. Mais bah, on est bah, y a un gouvernement où le chef de l'État prend acte à nommer et puis tout kumbeli. Maintenant, la coalition, c'est lorsque. La cette majorité n'est pas connue ou n'est pas identifiée. Il faut la mission d'un informateur pour identifier cette majorité. Mais quand le président Kaboum dit Azolo Bakay, il n'y aura ni coalition ni cohabitation. Alors, il y a un esprit, il y a un parti unique pour te éviter par quel manger. Parce que article 15, il y a un règlement intérieur ou l'Assemblée nationale. Et Azolo Bakay, ceux qui députés individuellement, il quitte son regroupement politique ou son parti politique, il perd totalement le mandat. Mais si le regroupement ou le parti politique décide, parce que l'opposition majorité ou au centre, et Zaranzela TC, au niveau de l'Assemblée nationale, ne Babilo Kwanande et Banaka, que lors de la session d'ouverture, Bakobongana, non, nous sommes un parti de l'opposition. C'est là où ça se déclare. Mais on a vu ce comprendre ni coalition, ni cohabitation. C'est que la population veut comprendre que il faut un gouvernement oyo bakozalana pour nous refléter, pour nous représenter, pour nous travailler les besoins de la population. Parce que le gouvernement c'est la seule institution qui veut répondre en face aux besoins de la population. Il y a un peuple congolais oh, bah, qui a retenu na mayende ko kabunda loba kilobike tout ça on a pas ça. Il y a un gouvernement oyo pour travailler na idéologie à peuple d'abord. C'est ça le vrai problème. Ouais, c'est ça le vrai problème. Non, moi je pense que. Ni coalition, ni coalition. Non, moi je pense que, pour ne pas lui contredire, c'est quand même un mécanisme qui est dans Mayalobaki. Je pense que l'idée à coalition, ça serait mieux. Tout travailler, tout zoa. Bandeko, on a tout bayaki bandeko. AFDC, tout ça, ni ça, majorité. Enfin, tout zoa. Premier ministre solo, au bas qu'on travaille pour une idéologie. Pour l'esprit, il y a peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est que les Congolais ne sont pas dans moyen. Il y a cause de moi, Soumbili Kwanga, Atina Mouana Nena Kelati, Soka Beli, Batika Badera, je peux pas dire qu'on a besoin de diaspora, pas dire qu'on a besoin de diaspora, Bamemanga, Bubakunda Rabi Bembe, Batinda Rabambongo, Bapema Rapé, et Zaké Moutabeli, les soins médicaux, et comme à la portée de tout le monde, et Zaké Luxte, le Nambo Kanabiso, il y a la Babylon, et cause à la Luxte, il y a même certaines prières au Sahara, au Congo, sur le Katisna, le pays, nous sommes sur le Sahara, et en Soken Afrique d'ici le centre de l'Anzam Begetek, la coûte à courant n'a pas repassé chez Miss Lomba Bonaton. Ça ne se fait pas, ni pas. Il y a qui ici au Congo, qui est tout ça qui va prier. Il y a un gouvernement, Oyo Ekouya, pour répondre à nos besoins de la population, pour travailler, car pour l'intérêt, il y a peuple, et non pour l'intérêt, il y a un parti politique, et non pour l'intérêt, il y a un MEI.
Okoka ministre en fonction, non, il y a mais ça bengi. Non, ezana batu OK, baroya pona ko travailler, basunga vision ya mokonza moka et se matérialiser parce que mokonza moka il sera le seul responsable face à la nation en 2023. Alors, Baromona ni batona, Baromona ni sénateur à vie, ni de Kokaboun, c'est le chef de l'État pour Félix Antoine Tshisekedi où il a un compte à rendre à la population en 2023 pendant 5 ans et un mandat. Alors ndeko kaninda tokomi na suka ya ma réflexion pona lelo bandeko nyonso balandi biso na tongo ya lelo ba retenir nini to cela nini na président de la République Félix Antoine Tshisekedi to soutenir non mo na mboka pona ba initiative azui et puis na ko misa tata mokonzi kende ko zonga simate détermination na ko ba obena ngoti na suka comme ça. Le peuple congolais garde à longa. Peuple congolais restant uni. Toki batona bali ba banda ba menace. Keno bango baza ba mbila ba rozuba relever option militaire. Soda mon côté na Congo aussi mara mandoki pour attaquer population parce que un peuple conscient uni de son destin est plus dangereux qu'une bombe anatomique. La population congolaise va faire échec à tout individu, tout groupe d'individus. Oya koya luka a renversé pouvoir ça constitutionnellement établi, c'est même l'article 64 oba ya constitution oba tu ba appliquer ngo mabe ba tu ba appliquer kana alinéa premier ba bosse la deuxième alinéa nango. Donc yango na bisi ba congolais tout partout aux alliés restons aux aguets et lo to luka ki net aux aguets matele mabo mali bala, c'est le moment libale koufi et lo to luka ki ngwana tozela mayenini tata mokonza ko ebisa biso mais ngala zo souhaiter là ça n'engage que moi na zo souhaiter tata mokonzi à tenika discours à une seule phrase qui à partir d'aujourd'hui la coalition CCK Zabouo bien une nouvelle majorité va se naître afin de permettre l'union sacrée de la nation et que sangisa ba congolais nyonso de partout dans le monde entier au bazali lobiso ki ovandi likambo zali cause la chef de l'état loba yango alobi yango te alobi makambo mosusu fo ko eba te be émissaire ya bamboko ebele penza bayaki bayaki ou kenyata tinda ki bamboko yo soki otali komona be émissaire wana bazali koya komona démarche o 5 ko ezali ko sala ECC. Je suis contre toutes ces démarches. Je suis contre. Il y a 5 ans, il y a SCC, il y a l'émissaire. Voilà. Non. Pas que négocier dans M. Kabila pour quel fait. Parce que moi, quand j'ai eu le chemin, M. Kabila, il faut apprendre à conjuguer dans le passé. Il est sénateur à vie, Batika Yapema. Qu'est-ce qu'ils vont encore négocier? Combien de fois Bakoutana le président Félix? Oh, que solution trouve ma raté. Bakoutana mon amour, Kabaseki, Bameli Champagne, lobby n'a mort, ordonnance chef de l'État, ils ont souffert une exécution, bah bloqué. Bakoutana mon amour, Kabameli Champagne, lobby n'a mort, ministre de la Banque FCC, ils ont bloqué la mise en place, il y a gratuité de l'enseignement, à multiplier, bah NI et Bélé, pour écouter trop cher dans l'État, bah ils ont pas eu à confouter, bah fonctionner dans le ministère de la Finance, le ministre de l'Énergie a aussi cahier de charges, dans le ministère à budget qui est chargé, il publique, bah qu'il y a une exécution dans le ministère des finances, bah bloqué. Pourquoi? Bah pousser bah toute la révolution pour bah tomber la mouconza mboka. Mais entre ces temps, l'obinango, l'ancien chef de l'État et les nouveaux, ils étaient ensemble, bah partager champagne, bah meli, bah c'est qui? Mais bah ils ont continué toujours dans bah bloqué. Il y a un autre obiqué. Il y a rien ne va marcher. Ce qui bah ne quoi na 5 ans vraiment, bah ça vraiment, bah tata, monsieur Milimo, bah bon de la rapport dans mboka, démarche on les a démarche. Ils ont des marches, ils ont la tinaté. Batata, ils ont un limo, ils ont un respect, mingi pour na bango. Mais cette fois-ci, babungi mwanzela mouke. Batika ba démarche, wana, Congo de Joseph Kende, t'as encouragé l'union sacrée à ba vrai Congolais, parce que tout le monde a une union sacrée. Et que ça n'est pas vrai Congolais, bah, oh, bah, quoi, pour l'intérêt à peuple. Alors, merci beaucoup. Consultation, Père Nisola, bah, leader, n'a pas vrai Congolais. Mon tout, mon gars qui consulte, t'as un leader, t'es soit ça Congolais. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de mini, à quoi il s'agit pour na avenir, il y a un peu pour na une nouvelle coalition, eux, comme ma mission. Là, ça n'engage que vous. Tu es responsable de tes allégations. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Na lobby, le chef de l'État, je vais consulter les leaders sociaux. Pour selon moi, je pense que le chef d'État a consulté le vrai leader. Le président Bemba n'est pas leader. Le président Katumbi n'est pas congolais. Kim Kemulumba n'est pas congolais. Yusuf Mabilou n'est pas congolais. Jean-Pierre Liao.
Non, je vous ai dit. Mais il y a comment tu es dans la négativité. Il y a aucun bateau qui consulte. Mais pas consulter, la mission va consulter Balider. Ce ne sont pas des leaders. Ce sont des mini-frétaires. Ils consultent des Balider. Et on atteint le Balider, le roi Jean-Pierre Bemba, président Katumbi. Tous ce sont des grands leaders. Ça, on est ceux qui lobbyent au Moni, Martin Fayoul, président Félix Antoine Tshisekedi, Kabila, à table, les députés, non, ce sont des fils de notre pays, ce sont les Congolais. Ça nous fera un grand plaisir, surtout au Moni, les députés élus de la Lukunga, et puis les sénateurs à vie, les présidents de la République. Coutant autour d'une même table, ce sont des Congolais et ça, c'est un makasi. Mais tout le monde a président Bembana, président Katumbi, autour d'une même table, ce sont des frères, des vrais Congolais, Obana Soussia Mboka. Ils ont répondu présent à l'invitation à Tata Mokondi. Mais pourquoi pas, Sora Bengipe, notre estimé combattant de l'IT, le président Martin Fayoulou Madidi, à qui je souhaite déjà heureux anniversaire, malgré son retard, n'a souhaité, je ne pas croire à combat à Moutouana. Nous étions habitués à la marche, au tal à Kotobe, soldats du peuple, Kotobe, Frank Dion, Kotobe, combattants de la résistance, président Vemba. Mais le lot en attaque à la marche, mon président, héros vivant, Zobimabwe, combattant résistance, ce qu'on a mis, ça n'a soldats du peuple. Nathalie, le soldat du peuple, a fait un jaloux, mais à Rosé, on a raison, avec les thèses, lui, là, il va comprendre qu'il va revenir à la raison. Il est député national élu de la Lukunga. À Rosé, on a siège, 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 on a réforme institutionnelle, on a siège, on a siège, on a siège, on a siège, on a proposition dans le Parlement, on a député, on a salaka, on a le débat. Donc, et ça c'est un homme qui s'auto monte ça va te bêler quand la macambozali colo macamine même non bah ben à caer président il y a décidé oui président il y a décidé parce que le Congo est un seul président élu le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi aussi ici là c'est un faux débat c'est si là la cour constitutionnelle aussi ici pour aller débat là et si là la cour constitutionnelle merci beaucoup maman Bibi il y a ma mission TV il y a ma réflexion à ton à préparer pour FCC les en opposition président Martin habitant au Tikala pour FCC qui est en opposition. Pour pas discours, pour tenir ça, pas discours opposition. Merci à vous tous fidèles de AmAm TV, Bozala qui est belé, Koulanda Bisso de partout. On vous recommande tous ces derniers temps l'espace Tremplin Royal. Pourquoi? Parce que Toye Bitezane Bandeko est belé, surtout na ba fin de l'année, ne ba organisa ka oye za ba mariage na bango, ba mekaka mingi mingi koluka ko organise makambo ebele penza. Tremplin Royal ezali na o ba bengi salle de fête, restaurant et puis hôtel pour na séjour ya bandeko na biso nyonso. Yaka bongo na mboka pour nous passer batant na bango topé séjour na bango na mboka na kati ya Congo na Kinshasa to proposer bino Tremplin Royal suivant du nouveau à Kinshasa le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasoulo.
chez Tremblay Royal, Kanoka Kae. Mission TV, le miroir du monde.